Ce petit truc imprévu qui n'était pas attendu, ce petit truc qui s'installe, ce petit truc qui grandit trop mal, ce petit truc qui t'attend, ce petit truc qui se loge, ce petit truc indécent, ce petit truc qui t'encombre. C'est un album qui s'axe autour d'une thématique principale qui est celle de la transition, c'est-à-dire de ce passage entre deux cycles, entre deux périodes. On a tendance à penser que la transition, c'est juste monter une marche, et des fois ça peut prendre plus de temps. Donc les chansons vont aborder soit ce qui a déclenché cette transition, soit cette période même, soit l'après aussi, le début d'un nouveau cycle. Donc c'est aussi surtout des histoires de cycles, le début, développement, la phase descendante et puis le renouveau. Et puis aussi, en termes de couleurs musicales, le premier album avait beaucoup de couleurs très pop-rock et j'ai voulu sortir un peu de ça parce que voilà, on grandit puis on se rend compte que c'est pas complètement ce que j'avais envie d'être ni ma personnalité. Et de revenir à quelque chose de plus épuré. T'étais à côté de la porte, tu m'en foutais, comme un dessin refait au calme sans intérêt. Je suis une belle arnaque, deux à souhait, un coup sans impact. Ces quatre années, ça m'a permis de déjà digérer ce premier album et de me repositionner et de remettre en question ce que j'avais fait, à la fois dans l'écriture, dans la couleur musicale, justement, ce que j'expliquais avant. Et puis ça a été aussi l'occasion pour moi d'explorer des terres un peu nouvelles, à savoir la transmission. C'était quelque chose dont je ne me sentais pas du tout capable avant, de par mon âge, de par le manque d'expérience. Et du coup, j'ai développé beaucoup d'ateliers d'écriture avec des enfants, avec des adultes, des ados, des gens en prison, des maisons de retraite. Et tout ce travail-là m'a permis de tourner autour de la création d'une chanson, de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a jamais de recette, même si on essaye d'en trouver. Mais en tout cas, ça a ouvert vraiment des champs assez forts. Et puis, je suis passée aussi de l'autre côté, où c'est moi qui ai été... qui ai participé à des ateliers d'écriture, notamment avec le Train Théâtre, dans le cadre d'une session qui s'appelle Chanson Primeur, où j'ai moi aussi du coup appris par le contact d'autres artistes à ouvrir mon univers, parce qu'on a vite tendance à tourner en rond sur ce qu'on sait faire. Donc ça a ouvert des choses. Et puis j'ai fait ça aussi au Canada, à Petite Vallée, avec des artistes québécois cette fois-ci. C'était des expériences humaines et artistiques très très intenses et très denses, dont on ressort avec beaucoup de matière, et du coup il faut encore du temps pour que tout ça, c'est des petites graines semées, et jusqu'à ce que ça fasse des fleurs, il faut encore un peu de temps et de travail. Et puis ça a été aussi l'occasion de faire un vrai travail de recherche musicale pour moi pour le deuxième album, et d'écrire moi-même mes propres arrangements. Et c'est pas facile, ça m'a demandé du temps, et puis... Mais voilà, là, ça commence à prendre forme. Tout ce que tu peux dire, que tu peux faire, ne m'emporte guère, ne m'emporte guère. Ton tout et son contraire qui me rendait vénère, qui me rendait vénère. Tout ce que tu peux dire, que tu peux faire, ne m'emporte guère, ne m'emporte guère. On travaille plusieurs choses. Déjà, c'est une nouvelle formation musicale. C'est deux musiciens avec qui on débute tout juste le travail. On a fait seulement deux concerts ensemble. Donc, on avait vraiment besoin d'un temps fort et puis un peu long qui nous permette vraiment de peaufiner d'une part les arrangements et puis notre propre relation sur scène aussi. Parce que voilà, un concert, c'est pas juste... faire des bonnes chansons et bien jouer de la musique, c'est aussi comment on le transmet de la meilleure façon qui soit pour que le public puisse les recevoir. Donc ça passe aussi par de la cohérence entre nous, du travail. Il y avait beaucoup de travail sur le son aussi à faire, avec notre ingénieur du son sur voilà, le traitement de la batterie, trouver le bon micro pour ma voix, etc. etc. Toutes ces choses qui
auxquels on ne pense pas, mais qui sont vraiment essentiels pour le spectacle. Et puis, on a l'intervention d'une coach scénique sur 2 jours qui, elle, nous permet d'optimiser encore plus ce qu'on veut faire et ce qu'on veut être. Non pas en arrivant avec des solutions et des recettes, mais en nous observant et en notant des choses qui sont soit à pousser, soit à... Voilà, ça peut être le placement scénique, comment on est sur scène, ça peut... plein de choses. On démarre tout juste, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais je sais que déjà, rien que cette matinée a déjà ouvert des perspectives créatives et excitantes. Est-ce que tu crois que soudain sans toi tout se casse la gueule? Dans le fond, ce choc ne fera bouger que ceux qui le veulent. Je te vois dans l'angle mort, sur la colline, à mon volant. On te dit tous ta dernière blague, moins drôle que tous ces enfants. Qui te prend, qui t'arrache, qui décide à ta place, qui t'enlève, qui se goûte, qui t'emporte, qui se plante, qui t'assied pas sur ton tour. Ça s'appelle ça Mikowski. Et j'ai vraiment... des fois, comme c'est notre métier, on est de moins en moins surpris ou embarqué dans un spectacle parce qu'on connaît un peu tout, donc on perd un peu ce truc de magie. Et là, vraiment, elle m'a complètement happée, quoi. J'étais vraiment complètement happée. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai frissonné plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité. Quelque chose de très simple, elle était toute seule avec son clavier et on avait l'impression d'entendre tous les arrangements autour, juste avec son groove, sa voix et sa musicalité, et, d'une grande fraîcheur, et je trouvais que ça faisait du bien, quoi. Voilà, Sarah Mikowski.